Alors, avant de commencer, je veux juste vous faire remarquer que j'ai changé de caméra. Donc, normalement, vous allez me voir en HD et vous allez voir que je ne suis absolument pas une make-up artiste et que je me maquille parfois très mal. Donc, je m'excuse auparavant, c'est pas la peine de commenter. Non, ton make-up ça va pas à tes sourcils, blablabla. Ok, je suis pas une make-up artiste, donc excusez-moi. 5 minutes 4. No problem. Hello YouTube, j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite avant tout une très bonne année 2018, plein d'amour, plein d'argent, plein de succès, plein de gloire. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les produits phares de l'année 2017. Donc ce sont des produits majoritairement capillaires et c'est des produits qu'on retrouve en grande surface, dans les magasins spécialisés, mais vous pouvez aussi retrouver tous ces produits sur Amazon. Je mettrai les liens dans la barre d'infos. Let's go. Alors le premier produit que je vais vous présenter, c'est ceci. C'est le low shampoo de chez Garnier. Alors pourquoi j'aime ce produit? Parce qu'il est pas cher, parce qu'on le trouve partout et parce qu'il est vraiment super si vous voulez l'utiliser entre deux shampoings. C'est vraiment le produit idéal parce qu'il a tous les points, facile à trouver, pas cher, lave correctement. Et quand je dis lave, c'est entre guillemets parce que c'est pas vraiment lavant. C'est un soin qui va enlever voilà, la première couche. Si vous avez par exemple mis un peu de gel, ça va légèrement enlever le gel que vous avez sur les cheveux. Mais si vous avez mis plein de gel, ça va pas l'enlever quoi. Il faudra faire un vrai shampoing. Mais malgré tout, je l'aime bien, il est pas cher, il est efficace. Merci Garnier. Ensuite, j'ai un produit qui est bio. C'est le Miel Organics. Donc c'est un co-wash. Il est juste génial. Il démêle les cheveux tellement bien. Et c'est un truc de malade. J'ai démêlé mes cheveux avec une brosse, ce que je fais rarement. Et je me suis dit, bon, je vais tester pour voir. J'ai testé et mes cheveux étaient démêlés, mais c'était juste magnifique. J'ai juste fait démêler. Démêler en 5 minutes toute ma tête. Il est un peu cher, mais malgré tout, il lave super bien. Comparé au Garnier, celui-là, il lave bien. Et là, je pense que vous pouvez laver vos cheveux avec et vraiment le remplacer. Remplacer un shampoing par ce produit parce que ça va vraiment laver. Mais je rappelle que si vous avez les cheveux très sales, ça ne suffira pas. Ils vont fermer leur gueule les chiens là. Et le voisin du dessus aussi. Toujours dans la même gamme, j'ai le Miel Organics. Et c'est le Edge Gel, donc c'est un gel qui est à la fois Edge Control et gel tout court. Je l'utilise pour mes edges, mes baby hair et aussi pour plaquer mes cheveux. Une fois j'avais fait une photo, non c'était une vidéo sur Instagram, où j'avais plaqué mes cheveux en utilisant ce produit. On m'a dit, oh mais c'est quoi ta technique, etc. J'ai fait, this is it. C'est le meilleur produit. Il est bio également, ils sont super bons. C'est vraiment un produit que j'aime et je recommande. Honnêtement. Alors ensuite, on a le Fuji Green Tea. Ce produit, donc en fait, c'est un shampoing gommant. Donc il va à la fois laver vos cheveux et gommer votre cuir chevelu. Alors pourquoi j'aime ce produit? C'est qu'il donne une sensation de fraîcheur à vos cheveux. Quand vous l'utilisez, vos cheveux sont propres. Vraiment. J'avais souvent des démangeaisons, honnêtement. Mes démangeaisons se sont calmées avec ce produit. Et c'est vraiment bien si vous utilisez beaucoup de gel, par exemple. Beaucoup de produits coiffants. Il faut vraiment quelque chose qui détarte en fait. Et ce produit est juste génial parce qu'il nettoie en profondeur le cuir chevelu. C'est vrai qu'on fait des gommages pour notre corps, pour enlever les peaux mortes, mais il faut aussi faire des gommages au niveau capillaire. J'en fais une fois par semaine parce qu'il est à la fois. C'est à la fois un shampoing et à la fois un gommage. Il est vraiment très bien. C'est pas un produit bio. Malgré tout, j'aime ce produit. Je l'ai reçu grâce à grâce à Ivanchi. Et j'adore ce produit, je remercie de m'avoir envoyé ce produit, il est vraiment top. Ensuite j'ai un masque qui vient de Curls et c'est le Blueberry Bliss. Et en gros c'est un masque qui a remplacé le masque de chez Moisture au Manuka Honey. Il est juste génial ce masque. L'odeur est un peu entêtante et ça sent la myrtille chimique, c'est un peu désagréable. Des fois j'ai des remontées tellement c'est trop fort. Mais malgré tout, je trouve qu'il hydrate bien mes cheveux. Je vous conseille vraiment de le laisser reposer, etc.
parce que il est moins efficace que le Shea Moisture, ce qui est dommage, mais bon, boycott quoi. Et il est vraiment bien, c'est une marque qui est Black Hound, donc en 2018, on achète les choses qui sont faites par nous, ok. Et il est vraiment top et je le recommande également. Il est un peu cher, je crois qu'il coûte 16€, un truc comme ça. Mais il est bien. Ensuite, j'ai un gel à vous proposer. C'est le Curl Maker de chez Camille Rose Naturals. Et honnêtement, ce produit est top parce qu'il convient à toutes les textures. Donc, all curls, coils and textures. Donc, peu importe le type de cheveux que vous avez, si vous avez les cheveux très frisés ou très crépus, il va vous permettre de faire un wash and go sans effort. J'ai utilisé. Et honnêtement, au début, j'ai trop utilisé de produits, donc j'ai eu des résidus en fait. Et en fait, il faut pas beaucoup de produits. Et ça, c'est nouveau pour moi parce qu'en général, j'utilise énormément, énormément de produits pour avoir des résultats. Il faut pas utiliser beaucoup de produits. Alors, j'aime bien l'odeur, ça sent le marshmallow. Enfin, c'est un peu une odeur assez particulière, mais j'adore l'odeur. C'est une odeur qui n'est pas chimique, je trouve. Alors, je ne sais pas si ce produit est bio, mais en tout cas, il a l'air super naturel. Donc il est censé hydrater, adoucir et renforcer les cheveux et je trouve qu'il est juste top. C'est vraiment un de mes produits favoris aussi. J'ai remplacé mon Eco Styler par ce produit parce que vraiment il est top et l'Eco Styler il m'énerve. Même s'il n'est pas cher, il m'énerve. Et l'avantage c'est qu'il y a une petite pompe et ça c'est vraiment pratique. Donc voilà tous mes produits préférés de l'année 2017. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres produits préférés ou si vous avez testé les produits que je vous ai présentés. N'hésitez pas à commenter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Peace!